14, que c'est un honneur pour nous d'avoir Monsieur Traoré, Christophe, qui va pouvoir nous répondre à quelques questions. Voilà, après 3 mois, qu'il a relevé le grand défi, les 100 combattants. Alors, Maria nous a lui posé quelques questions, mais vraiment que vous avez tous déposées sur notre site pour demander qu'est-ce qu'il est devenu, Monsieur Traoré, après quelques mois. À vous, Maria. Bonjour. Oui, je voulais savoir comment vous est venue l'idée d'affronter les 100 combattants. Est le défi ultime, mis à part tout ce qui est championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Le défi ultime, c'est vraiment de réussir à faire 100 combats. Et 100 combats, c'est mythique. Donc, comme vous savez, j'ai déjà tenté en 2010. J'ai arrêté au bout de 65 pour cause de crampes. Et je me suis dit, dans la vie, on peut avoir des remords, mais pas de regrets. Donc, il fallait que je réussisse les 100 combats. Donc, j'ai retenté. Et pour moi, c'est. Même 4 mois après, j'arrive toujours pas à réaliser ce que c'est d'avoir réussi les 100 combats, mais avec la notoriété que ça a donné, ne serait-ce un peu partout, je suis fier d'avoir réussi quand même. Donc, comme je dis, j'aurai pas de regrets, ni de remords. Et est-ce que ce projet, ne vous paraissait pas impossible? Rien n'est impossible. À partir du moment où on se prépare, je me suis préparé. Mentalement, physiquement, et j'ai la foi, donc je savais que j'allais réussir. Et quand vous avez parlé de ce projet autour de vous, qu'est-ce qu'il vous en a été dit? T'es fou. Voilà ce qu'on m'a dit. T'es fou. C'est pas possible. Voilà ce qu'on m'a dit. J'ai loupé une fois. On m'a dit, ah, c'est bien quand même, t'as été jusqu'à 65. Je lui ai dit, mais 65, c'est pas bon. C'est 100. Donc voilà, j'ai fait. Voilà, je voulais faire les 100. Si, on va dire que la première fois, déjà, c'était pas les mêmes règles. Après, c'était pas les mêmes combattants, mais c'était pas les mêmes règles. Et quand je me suis dit que j'allais recommencer, les règles avaient légèrement changé quand même. Donc, c'était plus facile à faire, entre guillemets. Le plus difficile, c'était de passer les 65. C'était un cap. Mais autrement, ça a été. Après 3 heures de combat, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était 3h40. Faut pas me retirer les 40 minutes, c'est beaucoup. J'étais fier. Fierté, sincèrement une fierté. J'ai dit j'ai réussi. C'est tout ce que je me suis dit. J'ai réussi. Voilà, c'était le but ultime. J'ai réussi. Après plus de 4 heures au bout de votre objectif, est-ce que vous avez pensé à votre santé? Non. Non, du tout, du tout. Je savais que j'allais avoir des problèmes avec les reins, parce que c'était sûr, on en avait parlé. Mais non, non. C'était. La santé, c'était secondaire. Par contre, je suis resté à peu près 15-20 minutes sur le ring. Je suis rentré dans le vestiaire. J'ai fait quelques interviews. Je me suis senti un peu mal. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai beaucoup vomi. Donc Le médecin qui était là a dit bon, on va aller faire un contrôle à l'hôpital. Bon, je suis arrivé à l'hôpital et à l'hôpital, pour moi, j'avais rien du tout. Et c'est sur la prise de sang qu'ils ont vu que les reins étaient bloqués. Taux de créatinine qui était monté vraiment trop haut et les reins sont bloqués. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? En fin de compte, l'hydratation, les coups, les chocs que j'ai pris, ça m'a bloqué les reins. Apparemment, j'ai pas assez bu pendant l'effort. Tous les chocs que j'ai pris pour évacuer tous les hématomes que j'ai eus, ça a bloqué les reins. Donc, c'est ce qui m'a emmené directement à l'hôpital, en soins intensifs, en réanimation. Et j'ai eu une rétention d'eau. Donc, j'ai gardé toute l'eau. J'ai gonflé, j'ai eu droit à 2 dialyses. On m'a dialysé pour refaire partir la machine. Et est-ce que vous enseignez à quelqu'un de le faire? Alors,
sincèrement, si on venait me demander pour me dire je veux faire les 100 combats, qu'est-ce que tu me conseilles, j'irai déjà réfléchir bien, prépare-toi bien et pense à ce qui peut t'arriver derrière. Parce que le minimum, les 20 jours d'hôpital, faut le faire quand même. Parce que être dialysé pour ce qui m'est arrivé, est-ce que je joue en vaut la chandelle, je ne sais pas. Moi, pour moi, oui. Mais faut bien réfléchir. C'est dangereux. La psychologie de vos entourages lorsque vous étiez à l'hôpital? Les personnes autour de moi avaient peur. S'inquiétaient vraiment. Mais moi, moi, comme je vous dis, j'ai la foi. Donc je me suis dit, on ne peut pas me donner quelque chose de grand, de réussir les 100 combats. Et me retirer mes reins, c'est pas possible. C'est pas compatible, ça peut pas aller ensemble. J'ai voulu montrer que c'était faisable. Tout le monde me disait, ouais, Christophe, t'as 42 ans, t'as 42 ans. Et alors? C'est pas parce qu'on a 42 ans qu'on est cramé. Donc j'ai montré que même à 42 ans, si on, avec une bonne hygiène de vie, avec un bon entraînement, une bonne préparation, tout est faisable. Est-ce que c'était indispensable de vous imposer ce défi? Ouais, pour moi, c'était indispensable. Les gens autour, c'est entre guillemets, c'est pas trop mon problème, quoi. C'était moi. Je voulais réussir. Je voulais pas partir sur un échec, parce que pour moi, même si 65, c'est bien, mais c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Cela fait 4 mois, vous avez gagné. Qu'est-ce que cela vous a rapporté? Déjà une satisfaction personnelle. Pour moi, une très très grosse satisfaction. Satisfaction pour tout mon coin qui m'ont soutenu, pour la ville, pour tout le monde. Ça. Après, la notoriété, je l'avais un peu. Et j'en ai plus. J'en ai eu un peu plus. Quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens qui vous aiment? Je les aime aussi. Merci. Voilà, je vais dire de plus. Quels sont vos projets d'avenir? L'avenir. J'ai des projets au Maroc et au Mali, mais bon, c'est que des projets, donc on attend. Est-ce que vous allez arrêter dans le sport? La compétition? La compétition. Ouais, je pense. Enfin, à chaque fois, je dis oui, mais moi, je pense que... On va dire oui, mais bon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Donc, pour le moment, c'est oui. Voilà. Pas de son personnel à moi. Hein. Je savais très bien que j'allais avoir des problèmes de santé. Je savais très bien que ça allait être très très dur parce que je l'avais déjà tenté. Donc, je savais. Mais c'est juste une satisfaction personnelle. Je pense que mes fils sont fiers aussi. Comme j'ai tout mon staff, tous ceux qui sont préparés avec moi sont fiers aussi. Donc, tous ceux qui m'ont supporté, je pense qu'ils sont fiers aussi. Enfin. Est-ce que vous allez arrêter dans le sport? La compétition? De la compétition. Ouais, je pense. Enfin, à chaque fois, je dis oui, mais moi, je pense que... On va dire oui, mais bon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Donc, on verra plus tard. Merci. Merci, au revoir, à bientôt.